Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui dans laquelle on va voir 10 nouvelles paramètres à modifier sur votre iPhone. Afin d'améliorer votre expérience d'utilisation, optimiser la batterie et renforcer la confidentialité et plus encore. Pour ce faire, il faut aller dans Réglages. Commençons par aller dans les données cellulaires. Scroller jusqu'à Sauvegarde iCloud et désactiver. Car quand cette option est activée, en l'absence de connexion Wi-Fi, votre iPhone va utiliser le réseau cellulaire pour effectuer une sauvegarde iCloud automatique. Et bien sûr, cette opération va entraîner un surcoût ou la consommation du solde de vos données mobiles. Ainsi, la sauvegarde ne se fera que lorsque votre iPhone est connecté au réseau Wi-Fi et non pas quand vous utilisez les données mobiles. Deuxième paramètre à modifier, toujours dans Réglages, il faut aller dans Wi-Fi. Ensuite, allez dans Proposer des réseaux et choisissez Non. Pourquoi ? Parce que d'autres personnes, des personnes étrangères, peuvent accéder à votre iPhone à travers les réseaux Wi-Fi publics. Ainsi, vous allez fermer cette porte et personne ne pourra accéder à votre iPhone via les réseaux Wi-Fi publics. Troisième paramètre, c'est pour ceux qui souhaitent désactiver les mises à jour automatiques. Pour ce faire, vous allez dans Général, ensuite Mise à jour logiciel, appuyez sur le premier choix, Mise à jour automatique, et à partir de là, si vous ne souhaitez pas que votre iPhone installe les mises à jour iOS automatiques, désactivez la première option Mise à jour d'iOS, laissez donc la deuxième activée parce que ça concerne les mises à jour de sécurité, les fichiers système, et aussi désactiver de vos téléchargements automatiques des mises à jour iOS. Quatrièmement, toujours dans Réglages, cherchez dans la liste Messages, accéder, descendre jusqu'au bas, s'assurer que qualité d'image inférieure est désactivée. Si on active cette option, l'iPhone va envoyer des photos de moindre qualité. Une fois désactivé, votre iPhone va envoyer les photos hautes qualité, et c'est ce qui est demandé, bien sûr. Cinquièmement, toujours dans paramètres, allez dans Mail, après allez dans Compte, allez dans Nouvelles données, et déroulez la liste et activez de vos manuels. Si vous utilisez beaucoup d'applications de Mail, si vous choisissez Manuel, dans ce cas, il faut utiliser une application tierce qui va vous permettre de gérer les notifications de vos applications Mail. Elle va vous envoyer tout simplement les notifications. Sixième paramètre à modifier, toujours dans Réglages. Allez dans Écran d'accueil et vous avez ici Rechercher. Affiché sur l'écran d'accueil désactivé. Alors si on active, voilà ce qu'on obtient. Je vais activer, on va revenir sur l'écran d'accueil de notre iPhone et on trouvera ici Rechercher. Cela va gêner le déplacement entre les différentes fenêtres. Pour afficher au lieu de rechercher des points qui vont faciliter le déplacement, on va revenir dans Réglages, écran d'accueil comme on avait, et on va désactiver devant afficher sur l'écran d'accueil recherche. Maintenant, si on revient sur notre iPhone, on trouve à la place de recherche des points, voilà le déplacement maintenant entre les différentes fenêtres se fera facilement. Septième paramètre à modifier toujours dans Réglages. Cherchez App Store. Accéder. S'assurer que téléchargement d'applications est désactivé. Cela évitera à votre iPhone d'installer automatiquement les applications gratuites et payantes assorties sur d'autres appareils. Aussi, descendre en bas et désactiver de vos notes et avis intégrés. Cela vous permettra de ne pas vous demander d'ajouter votre avis sur les applications. Huitièmement, allez dans Général. Après, allez dans AirDrop. Activez de vos réceptions désactivées et aussi désactivez approchant les appareils. Si vous activez, votre appareil sera toujours prêt. Il va faire fonctionner ces fonctionnalités qui vont consommer la batterie. Et pour éviter ces deux, désactiver de vous approchant les appareils et aussi réception désactivée. Neuvième paramètre à modifier.
aller dans accessibilité, ensuite aller dans toucher. Après, commencez par haptic touch et là vous allez déterminer la durée de la réaction quand vous touchez par exemple un lien. Pour le rendre très rapide, choisissez courte et là vous allez sentir que quand vous touchez par exemple un lien, la réponse est très rapide. Aussi, dans la même option, s'assurer que ne pas raccrocher ou verrouiller soit désactivé. Cela vous évitera de raccrocher durant un appel si vous allez toucher par accident le bouton latéral de votre iPhone. Dixième paramètre à modifier. Toujours dans réglage, cherchez appareil photo. Accéder. Ensuite, aller dans enregistrer une vidéo, descendre et s'assurer que verrouiller la balance des blancs est activée. Cela va vous permettre d'enregistrer des vidéos de qualité concernant les couleurs. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À la prochaine fois.